Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours.
ma puissante montagne. Mes péchés, et toi, tu as enlevé.
De nos frères est rejeté,
de la lettre aux Hébreux. Jésus, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien, pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de l'enceinte, en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous attendons la cité future. En toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Thank you.
Dieu notre Père, convertis-nous à la loi nouvelle de ton Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle, il a passé parmi nous en faisant le bien. Il a nourri les foules au désert, il s'est livré dans le pain et le vin. Il a guéri les malades, il a pardonné les péchés. Il a maîtrisé la mer et les vents, il a prié pour la foi de Pierre. Il a pleuré sur Jérusalem, il a ressuscité Lazare. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espérance en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, vous rétablisse lui-même et vous affermisse. Qu'il vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ave regina caelum.